c'est le 7 janvier. Je sais pas ça fait combien de jours qu'on est ici, mais en tout cas, ça fait un petit bout. Donc ce matin, on a une journée vraiment chargée. On fait un tour de 5 heures avec le repas compris. Puis là, ben, on est assis à côté du plaza, donc au bout de Main Street à droite. Il y a plein de chaises dans le fond. On va regarder le spectacle d'ouverture du parc. Puis c'est une bonne manière de vraiment pas être dans la foule en avant du château qui est juste derrière moi ici. Puis on est assis sur des petites tables, c'est vraiment cute. Il y a un beau cachet. Puis après ça, on s'en va faire notre tour à 9h30. Puis c'est vraiment cute, ils nous ont donné des badges. Puis aussi, on a le droit à des bouteilles d'eau durant tout le tour. Il y a le lunch de fournis, ça vaut vraiment la peine, c'est 100$. Puis avec les passes annuelles, ça donne 15% de rabais, donc ça vaut vraiment la peine. Why, hello everyone! Oh my, look at all of you! So many smiling faces, including yours! Now, how may I be of assistance? Well, do you think you can help kick off our magical day? Oh, of course, my dear. Oh, and I know just the trick, but I'll need everyone's help with the magic words. On the count of three, we're all going to say, bibbidi, bobbidi, boo. Here we go. One, two, three. Dans le fond, comment ça fonctionne, c'est qu'il y a des parties du tour où est-ce que c'est dans Magic Kingdom, puis il y a d'autres moments où est-ce qu'on va à l'extérieur, donc backstage, puis là on peut pas filmer, donc j'ai vraiment apprécié tout le moment, que c'était un 5 heures vraiment de pur bonheur, puis le dîner c'était vraiment génial, on est allé manger à Pecos Bill, moi je pensais qu'on allait manger à Cosmic Rays des hamburgers, mais finalement c'était du mexicain, j'ai pris des nachos. Puis il y avait de la guacamole, fait que ça j'étais bien contente parce que d'habitude quand tu vas à Pecos Bill, ça coûte un petit extra, c'était super bien. Après le tour, on est allé à l'hôtel, j'ai pris mon petit café, puis on a terminé la soirée à Animal Kingdom. On avait un fast-pass pour Dinosaur et Flight of Passage. Après ça, on a soupé à Satui Canteen, c'est le resto de Avatar, vraiment
à côté de la ride Avatar Flight of Passage, puis c'était vraiment bon. Personnellement, j'ai pris comme le bœuf et le poulet avec du riz, puis je pense que la prochaine fois si je reviens ici, je vais juste prendre le poulet parce que le bœuf, il n'y avait pas vraiment d'assaisonnement, puis le poulet, c'était vraiment bon, il était à l'ail avec des épices, donc ça, je recommande vraiment de prendre le choix de poulet ici. Comment ça fonctionne, c'est qu'on choisit sa protéine, son side, puis sa sauce, c'est vraiment génial, ça coûte environ entre 12 et 17 $. Puis c'est vraiment bon, puis c'est vraiment pas gros. Ça fait vraiment du bien de manger un bon repas un peu santé quand on est dans les parcs d'attractions. Puis là, ben, c'est un au revoir pour ce soir parce qu'on retourne à l'hôtel. On s'en va se coucher parce que demain, on a une grosse journée. On s'en va à Hollywood Studios pour faire Slinky Dog. Alors, on se revoit demain. À 8h45, on était dans le parc. Après ça, on est allé faire Slinky Dog. Puis, on a fait les Alien Swirling Saucers à Toy Story Land. C'était vraiment cute. Puis là, on s'en va faire Star Wars parce que moi, je trippe sur Star Wars.
Bon, changement de plan, il y a vraiment trop de monde pour faire Star Wars. C'est même pas dans Star Wars Land, c'est genre juste une attraction où c'est un film en 3D. Puis c'est à 30 minutes. 30 minutes, c'est pas super, mais notre fast-pass, il expire dans 50 minutes. Fait qu'on va aller faire notre fast-pass parce qu'on a vraiment pas le temps de faire ça. Puis de se rendre à l'autre bout du parc pour notre fast-pass à Rocky Roller Coaster avec Aerosmith. Parce que j'ai un fast-pass pour Slinky Dog. On l'a fait un matin en entrant. Ça a pris 25 minutes d'attente. Après ça, les aliens, je pense que ça a pris 10-15 minutes. C'était vraiment pas long. Fait qu'en 45 minutes, on avait fait presque toute la partie de Toy Story. Il y a aussi le manège Toy Story Mania, mais lui, il existait déjà avant l'agrandissement de cette section-là du parc. Donc on va pas vraiment le faire parce qu'on l'a déjà fait plein de fois. Puis après ça, après Slinky Dog, on s'en va dîner au Backlot Express. C'est vraiment mon deuxième resto préféré pour manger des hamburgers. Mon premier, c'est Sci-Fi. Là-bas, on peut voir toute Star Wars Land, donc c'est vraiment malade.